Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europe 6-4 avec la Bourgogne. Dans cet épisode, on va s'attaquer à nos amis gascons qui sont... Alliés à Aix-la-Chapelle. Donc on va venir directement ici. Voilà. Très bien, Brie fait partie de notre patrimoine, on est ravis. Et j'avais pas regardé un truc, je pense qu'on est au-dessus de la limite. Ah non. Ok, mais tu seras... Je peux avoir plein de généraux en plus, ouais, vas-y. Ça fait monter pour finaliser, c'est toujours ça. Toi, tu t'entraînes? Non. Ouais, donc c'est bon. On va juste attendre de récupérer le moral. Et on va leur sauter dessus, on va bouffer les deux, je pense. On fera des gens en moins pour entrer dans une quoi. Ça, on en a besoin pour une mission. L'Espagne contre la Curie, génial. Après, on a trop d'influence chez le pape pour être excommunié. Brandebourg. Tu veux rompre l'alliance? J'annexe un monde du Saint-Empire. Ok. Alors avant que tu rompes l'alliance, on va s'en chercher une autre. La Lituanie, je suis pas certain que ce soit une bonne chose. Vu comment elle se fait éclater par le Danemark. Ouais, 23 000 hommes. Par contre, Ulster pourrait être un allié pour faire chier les Anglais. Ou Munster, peut-être. L'un ou l'autre. Toi, je t'ai libéré, tu me l'as fait dans le dos, quand même. Après, si Brandebourg est en trêve, ils pourront pas être appelés pour nous attaquer à nous, qui ont une trêve. En tout cas, pas en 95. Donc écoute, vas-y, prends les viens si tu veux. Je crois que j'ai enlevé le mec chez les alliés, ouais. Bon, on verra ce qu'il en dit. Donc ouais, non, purge l'hérésie, oui. Ok, donc lui on pourra plus l'appeler. Tu représentes combien d'hommes? 22 000, c'est pas ouf non plus, ok. Donc purge l'hérésie, ouais. Non, pas besoin, je pense. Ok. Ok, et là c'est terminé. On n'a plus qu'à attendre que le siège se fasse. Il a disparu le mec de... Le Gascon. Non, t'as pas d'homme, ok, cool. Je suis en mariage avec toi? Non. Putain, c'était rapide. Très bien, chez vous, on peut faire des trucs? Calomnier les marchands, mince. Très bien. Ok. Ah. J'enlève ça. Ok. Donc, Liège, avec sa chapelle, ça peut être possible. Donc ce qu'on va faire, c'est on t'impose la religion, transfert, tout ça, tu connais. La chanson, merci. Ciao. Très
très bien, le Brabant septentrional, on peut faire des états, c'est vrai, on a pas mal de capacités de gouvernance encore, enfin pas mal, on en a. Toi t'es membre de l'Empire, je sais plus. Non. Toi on pourrait faire une purge à l'hérésie. Ouais. On va le faire. Je pense qu'on peut reprendre les terres nobles, non pas encore. Aux ordres pour nobles. Alors attendez, juste un truc, je crois que j'ai lancé le chrono un peu tôt, je suis pas du tout à jour, ouais. Bon, je re-regarderai, c'est pas grave. Donc on a dit, purge l'hérésie, attends un mois. Très bien. Augsbourg, Palatina, et ça fait venir qui? Oldenbourg, Memmingen. Ouais, Augsbourg, est-ce qu'on a beaucoup de points de faveur? Une guerre. Palatina. Une guerre, donc on les peut venir. Purge l'hérésie, oui. On a France et Brégance qui viennent de base. Très bien, très bien, très bien. Bois-le-Duc. Oh, les relous. Thuringe, t'as combien d'hommes? 12 000. J'ai même pas vu qu'il y avait Thuringe. Mais c'est pas Thuringe alors, pourquoi tu me le mets? Non, c'était en vert, c'est moi qui buguais. Bon ok, vous allez me saouler. Oldenbourg c'est là. On est toujours empereur. Ouais. Siège de Stuttgart remporté. Évidemment un mariage royal. Évidemment un mariage royal. On a de l'avance, on va se permettre alors de remonter. Encore un peu. Hop, voilà. Ça vote toujours pour nous, c'est très bien. La Castille, un petit mariage royal. Vous, vous voulez pas parce que attitude indignée, ça va s'améliorer, t'inquiète. On a une garantie, c'est idiot. Très bien. Tu sais quoi, va directement à Oldenbourg. Ils vont flipper, ils vont lâcher le truc. Ok. Français, vous avez des troupes? 3000 hommes. Alors on va juste dire, on voudrait bien que tu fasses des revendications, voilà là, puis ensuite on fera là. Siège de Memmingen remporté, parfait. On va pas te bouffer, on va t'imposer la religion. Tu veux pas encore, ça va venir.
Oldenbourg, on y est. Beyrouth. Non, pas Beyrouth, plutôt. On y est aussi. Bon, bah écoute, on va faire le ménage. Toi, tu vas venir là pour ceux qui se replient. Très bien. Toi, tu vas venir là. Ok, reste Oldenbourg, on est bon. Choper? Ouais. Vous osez renforcer? Boum. Oui, on va le prendre ça. Il y a qui? Trent, ouais. Et Milan, ouais, c'est pas foufou. Ça va à peu près. Parfait. Alors, Memmingen, t'as changé d'avis? Toi, idem. Je vais même faire un détournement de commerce et des répas de guerre. Et un ducat symbolique. Donc. Oldenbourg, on va faire la même. On a gagné le... Ah oui, mais c'est parce qu'on a eu... on est redevenu empereur. Je peux intégrer mes provinces. Bien, Likato, ça se renforce. Et du coup, toi... ça va piquer un peu. Ah, ça va. Ok, je peux prendre une province, je peux t'imposer la religion. Tu vas annuler tous ces trucs-là. Quoique... Non, vas-y, file les thunes. Imposer la religion, détournement du commerce. Ouais, vas-y. Modif national d'impôt, j'aurais dû prendre la légitimité, mais c'est pas dramatique. Très bien. Non, c'est pas ça que je voulais voir. 41 princes hérétiques. Occupé par une Goldstadt. D'ailleurs, Landshut. Ah! Ouais, encore 4 ans avant de pouvoir déclarer une guerre, bon. Et ben on va développer le pays. Donc. D'ailleurs, ouais non, ça me coûterait 1000 d'en faire un port mondial. Tac. Et j'ai plus assez d'argent. Ouais, ça va. Sachant qu'on a une légitimation en cours, donc on doit avoir de la corruption. Oui, Brégance, carrément.
Toi j'ai oublié, mais tu peux t'entraîner, hein. Ok. L'Autriche, je peux te faire chier encore? Carrément. Toujours pas de risque de ne pas être élu. Quand même. Mais c'est parce que on a un conseil de régence, je pense. Augsbourg, t'es relou. Ouais, non, vas-y. Non, non. Tant pis, on prend le temps. Donc ouais, là, on n'a pas grand-chose à faire qu'attendre que notre ami devienne majeur. 15 octobre 95. Ah bah parfait. C'était la France, hein, on est d'accord. Hein. Je regarde à moitié, mais ouais, ici. Donc je peux même pas déclarer pour eux, hein. On est d'accord. Hein. Non. Pourquoi je suis à 62? Ah! Ah oui, régence, d'accord. Gain de 10 en tradition terrestre, magnifique. Parfait. Ouais, non, là je vois pas trop ce qu'on peut faire en attendant. Oui, si vous voulez, si on peut reprendre des terres. On peut faire ça aussi. Non. Production du charolais, c'est possible. C'est quoi? Ouais. Du coup, on gagne de l'argent. Du coup, on peut améliorer ici. Au niveau du commerce, c'est un peu mieux. Ouais, cool. Donc, je pense qu'on peut faire quelques troupes en plus, une ou deux, trois même. Réformateur militaire qui est mort. Discipline. Donc, enfin, un canon déjà. 2 et 3. Et là, on est bon. Ouais. Toi, tu vas te prendre l'Autriche. Ah, parce que je soutiens la Ligue ennemie. Il y a du monde qui s'est rajouté là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc. Ok. Ouais, je peux rien faire spécifiquement là. Niveau relations, on est en... j'améliore avec tous les électeurs. Enfin, du moins ceux qui sont améliorables, ceux qui comptent, on va dire. On peut faire des états, mais. Brabant septentrional. Toi, quand est-ce qu'ils partent en zèle religieux? 1623, putain. Attends, on va regarder la religion. Et non, j'ai même pas de... Dortmund, c'est un foyer de la réforme. Mais je sais pas, vassaliser. Je confonds avec une autre partie.
Hey, j'ai même pas. J'ai même pas de Cassius Belli contre toi. Galdor, mais t'es sérieux? Je t'ai converti il y a 2 ans. Quoi, là, une t'es catho, toi t'es protestant. Général qui meurt. Oh, ils sont de plus en plus forts, nos généraux, c'est cool ça. Autriche, je peux te ressouler un peu. Non, je crois pas. Non. Oh. Puissance démissionnaire. Et on va remonter la stab, tant pis. Oh, t'as 25 000 hommes. On est avec le Danemark. Ah ouais? Coût des légitimations, c'est quand même bien. De fabrication des revendications, non. Alors non, c'est pas utile de suite. Liage, bien. Bad, pourquoi? Parce qu'on légitime la province, d'accord. Un gant, parfait. Ouais, là, je suis obligé d'attendre. Après, il y a la trêve qui va se terminer, le combien avec eux? Oh, de la stab, oui. Novembre. Bon, on va être fixé en novembre. Hein. L'Angleterre, la Bretagne pour colonialisme. Ouais. Mais non, j'allais dire si je te déclare guerre. J'en sais rien si je te déclare la guerre. La Bohème nous kiffe, hein. Malgré son attitude hostile. T'avertis le Palatina. Je sais pas pourquoi tu te prends, mais... des rebelles, ouais. Vallée et Sango. Ici et ici, ok. Du coup, vu qu'on a récupéré nos prods, ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Dauphiné est en guerre contre qui? La Bretagne. Putain, mais la Bretagne, tu vas exploser en fait. Ulster, Munster, Angleterre, Newfoundland, Dauphiné. Et Ojimbe, mais. Ok. Donc, ouais. Ça va bientôt péter. Légitimité annuelle, vas-y. Donc au niveau commerce, on doit avoir des trucs un peu meilleurs avec Autantin, par exemple. On a converti, cool. Tiens, voilà. J'ai 2 mecs de libre, on préfère pareil chez les Anglais. Bon, l'opinion de Galdor, on s'en fiche. Donc ouais, en novembre... en novembre, libération impériale contre Ansbach. Non, pas encore. Attendons la fin de l'année, ça va arriver novembre là, on va voir. 30 prétendants on vaut. Ouais. Ça va. Vaut, c'est là. Très bien. Ah, il n'y a plus de prétendants. Et donc, on est passé en novembre. Alors, du coup, la légitimité, ça doit jouer là-dessus. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 1, 2. Ok. Attends, je peux regarder. Ouais. Moins 18, ça va un peu mieux.
On va arrêter les entraînements, parce qu'on va bientôt refaire des guerres. On va voir ce que l'Angleterre bouffe et ce que nous on récupère. On est en trêve, toi t'es quoi? Purger les résidus. Il y a Naples qui vient. Ouais, bon, Naples, ok. Ok, on pourrait lui faire aussi relâcher des choses. Pff, Naples, je sais pas ce que je vais faire de toi. Je suis même pas sûr d'avoir accès. Bon, je pense qu'il y en a qui vont demander l'accès militaire, on pourra passer. Attendre la fin de l'année pour prendre la tech. Évêque de Liège et contrôleur des curies, on est ravis. Je vérifie mes mariages royaux quand même. Ouais. Toi t'es chez les... Ouais, il m'en faudra un chez les dépendances. Je suis chez les Ottomans, je laisse parce que... On peut pas faire de mariage royaux. Et comme on n'est pas de la même religion, ça a tendance à baisser naturellement. Ah non. Ok, bon, on revient alors, on va mettre en chez dépendance. À Brégance. Et ils vont s'en sortir, hein? Non. Oh, populace, on s'en tape. On a perdu un général, là, on va en refaire un. Qui est excellent. Ouais. Alors du coup. Putain, le jeu, l'inan est pensé. J'ai des revendications, non. Donc ouais, attends la fin du mois juste. Bon, il n'y a pas besoin. Pas besoin de les appeler, on va aller... Donc ça fait deux... Enfin trois, plus eux. Trois nations à convertir, le cas échéant. S'ils ne le sont pas déjà, je veux dire Kato. Et voilà. Allez.